Et yo les gars, c'est Medastar Gaming, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais faire du 1v1 sur Rocket League. Bien évidemment, ça fait putain. J'en ai marre, ça fait 3 vidéos que je loupe. Putain, il est 18h, je dois sortir une vidéo à 20h. Elle va pas sortir à 20h. Elle va sortir 21h52. Voilà. Donc sans plus attendre, j'ai pas le temps là. En plus j'étais bien en train de parler là, j'ai le seum. Putain. Pff, en plus je jouais bien, enfin je jouais plutôt, mais je parlais. Et du coup bah je vais répéter ce que j'avais dit quoi. En gros, je parlais des problèmes qu'il y a sur Rocket League et pourquoi d'ailleurs je joue à Rocket League. Donc tout d'abord faut savoir que ce jeu je joue depuis. Oh le bâtard, 8 de ping. Je joue depuis. Donc, si j'explique pas trop comment je joue, veuillez m'excuser. C'est juste que je suis en train d'expliquer des trucs. Je m'en souviens vraiment pas trop de. De quand je jouais. J'ai commencé quand? Oh, bien vu, bien vu, bien vu. Ok, il est chaud, il est chaud. Rank. Je vais juste voir son rang. Je joue. Vers la. J'ai joué. J'ai commencé la saison 3. La saison 3, mais sauf, j'ai pas. Pas. C'est pas accroché. Mais en gros, c'est genre. Genre, c'est pas que j'ai pas accroché, mais c'est qu'en fait. J'étais tout seul, quoi. En gros. J'avais personne, et du coup. C'est deux. Ok. Eight. Et du coup, ouais, bah, c'est ça en vrai. Et merde. Et en gros, bah, j'étais tout seul. Après, j'ai trouvé d'autres teams. Enfin, pas une team à ce moment-là. J'étais pas dans une team. En gros, bah, voilà. Oh là là, l'arrêt par contre. Ok, hop, là je vais tenter un wall drag. Ah j'ai essayé de la, non mais j'ai pas pu. Au moins j'ai pris le boost. Ok, ah, donc là ça va jouer rapidement. Voilà, au moins je l'ai eu. Yeah, cool. Et du coup ouais bah. Le problème sur Rocket League, c'est que. Attendez, hop. Voilà. Donc, le problème sur Rocket League, c'est. Pour les grands champions, par exemple. Genre, en fait, le problème pour les grands champions, c'est que là, après, ils ont. En fait, le problème, ils ont plus rien à tryhard. Oh. Ils ont plus rien à tryhard là. Parce qu'en fait, à partir de grand champion et pour aller encore plus loin, il n'y a plus rien à tryhard. Et c'est ça le problème. C'est qui m'envoie un message? Et en gros, il n'y a plus rien à tryhard. C'est ça le problème. Et c'est ça le problème des grands champions. Et c'est pour ça qu'en gros, il y avait que des boostés. Ah oui, c'est pour ça que je parlais. Je disais comme quoi il y avait trop de boostés là où j'étais. Et en gros, c'est pour ça. Oh, il y a beaucoup, j'ai beaucoup de messages là. Malheureusement, veuillez m'excuser. Et du coup, en gros, bah, il y a beaucoup de boostés. Et c'est vraiment relou. En gros, je parlais de hard reset parce que toute la communauté de Rocket League demande un putain de hard reset qui ferait du bien à tous les joueurs. Mais en fait, le problème, ça se trouve que. Ça se trouve, hein. Moi, je vais. Ça se trouve, je vais pop C1. Hein. Ça se trouve, je vais être C1 et ça va être sûrement mon vrai rank, en gros. Et c'est ça, en gros. Et c'est pour ça, moi, j'aimerais bien avoir un hard reset parce que j'en ai marre de voir que des boostés à chaque match. Chaque match, il y a un boosté, il y a un boosté, il y a un boosté. Et en gros, bah, le boosté, genre, en gros, le gars, il est C3. Et genre, en gros, bah, tu peux. La dernière fois, j'ai affronté deux C3 et un C1. Genre, c'est pour vous dire que le matchmaking est complètement parti en couille. Là, j'aurais dû retourner au golf. Le matchmaking en soi de Rocket League, il est parti en couille. C'est un truc de ouf. Parce que. J'espère que je suis dans une bonne scène. C'est que.
parce que il est parti vraiment en couille, tout ça, parce que bah, je sais pas moi, il se passe quoi, mais affronter, vous imaginez, affronter un C3. Encore, nous, c'est faisable. Mais affronter deux C3, du coup, ils savent bien se faire des passes. Le gars, l'autre là, le gars pété là, il a juste à être. Il a juste à rester au goal, jouer en défense, faire des passes devant, et les autres, ils nous enculent. Voilà. Tu vois? Alors que si c'est des C2 et tout, bah tranquille, c'est faisable. On peut perdre aussi. Mais c'est pas non plus impossible. Et quand t'affrontes des gars C3 presque grand champion, mais tu te dis pourquoi on les affronte? À aucun moment tu dois les affronter. Et c'est ça. Faudrait un moment m'expliquer comment ça se fait que eux on les affronte et pourquoi. Enfin, je comprends pas ça. C'est j'en ai marre moi d'affronter tout le temps des grands champions, des C3, pas des grands champions encore. J'ai rarement affronté. Merde, j'ai appuyé sur un bon bouton. Genre, en gros, les Ah, bien vu. Les C3, c'est le plus que j'ai affronté actuellement. Même si je suis presque Div 3, Div 4 environ. Même, logiquement, il y a le rendement qui fait que, genre, par exemple, moi, mes coéquipiers, genre, ils sont low C2 et un low C1. Et logiquement, en aucun cas, tu dois affronter des putains de. Pratiquement 3 C3, 2 C3, comme ça. Ils sont. Oula, j'ai où? Et en gros, à aucun cas, tu dois affronter des putains de C3 en fait. En aucun cas, tu dois affronter 2 C3. Un seul, ok, je veux bien un seul. C'est faisable. C'est pas non plus compliqué, mais c'est faisable. C'est compliqué, mais oui, enfin. Mais on peut gérer, mais 2 C3, c'est compliqué parce qu'ils savent bien jouer, ils connaissent bien, et du coup, après, ça empêche à passer C3. Bien sûr, après, il y a beaucoup d'erreurs et beaucoup aussi, il y a les défaites qu'il faut prendre. Il y a les défaites aussi à prendre en compte, et en gros, c'est ça le problème. Genre, c'est vraiment compliqué. À force, c'est ça que tout le monde se plaint, par exemple, en champion. Je sais pas si les bas level genre diamant, platine ou quoi que ce soit, je sais pas si vous aussi vous avez ce problème, mais je pense pas trop. Je pense que c'est plus champion 2, vu que t'es pas très loin du grand champion, tu veux avoir un titre grand champion pour dire ah ouais, moi j'ai ça et pas toi. Tu vois, en gros c'est ça et c'est vraiment dégueulasse quoi. Enfin, je sais pas, en fait, moi, certes, avant, quand j'étais un peu plus jeune, je joue pas depuis longtemps, enfin, peut-être quelques années, mais je joue pas non plus 5 ans, quoi, mais. Parce que sinon, je serais pas C2, je pense. De vrai, je pense pas que je serais C2. Hein. Et du coup, ouais, bah, c'est vraiment relou, quoi. T'affrontes des gars, tu sais même pas pourquoi, du coup tu peux pas monter, tu sais, t'as bientôt de passer et tu passes pas parce que tout ça, parce qu'il y a des boostés qui boostent leurs potes, et en gros c'est ça le problème, c'est relou dans le jeu quoi, en gros, et tu peux rien y faire parce que tu peux rien y faire, et c'est pour ça tout le monde veut un hard reset, en gros c'est pour ça. Voilà. Je reprends grave. Ouais, les amis, donc ouais, après c'est pour ça que faut des hard reset, et enfin, hard reset, et c'est vraiment ce qu'on demande depuis longtemps, et ça serait bien, genre un hard reset un peu toutes les saisons, et voilà. Et en plus refaire un peu les récompenses parce qu'ils sont vraiment pas ouf à chaque fois les récompenses. Chaque fois, frère, ils nous font des récompenses pas ouf, dégueulasses, moches. Voilà, donc à force, c'est vraiment relou, quoi. Et du coup, voilà. Après, les grands champions, je les comprends. Parce qu'après, il n'y a plus rien à tryhard. Du coup, bah, ils se disent, ouais, bah, s'il n'y a plus rien à tryhard, autant s'amuser, mais sur d'autres comptes. Et en gros, bah, ils s'amusent et ils prennent des comptes. Bah, ils s'achètent un autre compte, hein. Ils achètent un autre compte et ils se mettent.
Et ils montent vers les C1, C2, ils s'amusent partout en fait. Ouais, c'est ça le truc, c'est relou. Certes, moi j'ai un Smurf, ok, mais le problème c'est que moi je suis pas ces grandes chambres, du coup bah c'est rien. Enfin, certes j'ai un Smurf, mais moi c'est plus pour. Bah voilà, en fait, c'est ça le truc, pour s'amuser avec les potes, tu vois. Ou des fois jouer avec des gars plus bas et low. En gros, c'est ce qu'ils font la plupart. Je connais même un grand champ dont le gars il a combien? Oh là là, alors lui il a failli se le prendre là. Genre il a quoi? Il a 6 comptes. Tout ça parce que la plupart ils sont tous montés. Ils sont genre tous montés C2, C3, grand champ. Tu vois, genre en gros. Tu vois, et c'est relou. C'est relou pour les gens qui veulent apprendre, certes. Bah après, c'est. Je sais pas. Hein. Je sais pas, c'est ça le problème. C'est ça le problème, et j'espère que. On va enfin peut-être un moment changer de truc. Je sais pas. Ah, par contre, les psynètes là, c'est eux qui font bugger le jeu. Regardez, il a 692 de ping, et il arrive. Attends, il arrive à jouer là? Avec ça, il arrive à jouer? Ouais. Ah, je m'en fous. Là, frère, on fout. Le gars, il joue pas, frère. Là, rien à foutre, j'attends pas. En gros, bah voilà, c'est ça le truc. Mais bon, j'ai envie de vous dire, hein. Waouh. Ah ouais, mais par contre, si c'est comme ça, frère, il peut FF. Hein, voilà. Je regardais juste, on était à combien de minutes? Bon, la vidéo, je crois, ça va pas réussir à sortir. Je crois, elle va pas sortir du. Enfin, elle va pas sortir à temps. Parce qu'avec tous ces bugs là, putain. C'est ça le truc. Du coup voilà, bon bah je vais un peu commenter un peu mon jeu parce que je suis là pas comme. Enfin, là y a rien à commenter parce que le gars il fait que de bugger. Et... 300 de ping, t'arrives à faire ça? Ah bon? Ah bon? Bon, ma bite, ma bite. Ouais, non, 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 non. Et en gros, bah voilà, hein, c'est ça le problème. Et bien sûr, hein. Rocket League, je pense qu'ils s'en battent royalement les couilles hein, de ça. Ah, vraiment. Hein. Je crois qu'ils s'en foutent, mais complètement. Hein. Ils nous sortent des DLC. Bon, c'est cool, c'est des petits DLC, c'est bien. Oh, voilà. Mais frère, bon, je veux pas dire comme quoi ils améliorent pas leur jeu parce que ça serait mentir. Ils ont amélioré beaucoup. Là, les fois, le jeu. Ils ont bien amélioré le jeu parce qu'avant, quand tu te connectais, tu pouvais pas te connecter souvent, c'était en mode. Tu sais. Ok, attends, hop, ouais, j'ai tenté un truc. Et genre, en gros, bah, tu pouvais pas te connecter, genre en mode c'était réservé, t'étais en réservé tout le temps, il y avait là les joueurs, c'était relou, tu pouvais pas jouer tranquillement. Alors que t'avais une putain de co, t'avais une bonne co, t'avais tout. Et en gros, bah voilà, c'est ça le truc. Et en gros, bah là, depuis, ils l'ont bien optimisé, ils l'ont bien refait. Depuis qu'ils ont récupéré tout l'argent, bien évidemment. Et toutes les caisses. Oh. Avec toutes les caisses qu'ils ont. Toutes les caisses, toutes les clés. Tout quoi. En gros, bah c'est ça quoi. J'attends trop. J'aurais pas dû attendre. Là, j'aurais dû y aller, mais c'est que je suis pas concentré. Et en gros, c'est ça le problème. Genre. Et bah depuis ils ont. Le seul truc qu'il faudrait qu'ils améliorent aussi, c'est le matchmaking. Parce que affronter des putains de C3, genre t'affrontes deux C3, c'est relou. Le matchmaking, vraiment il est bugué. Tu peux affronter des grandes champs, tu sais même pas d'où. Et genre regardez, j'étais dans le live de Kaydop, et le gars il y en avait un, il était pratiquement C2. Alors que Kaydop il a plus de 1002, je crois 2000 points ou 1900 points environ. Genre en gros c'est en gros c'est dans le top 100 quoi, dans le top 10, dans le top ouais non 10, c'est pas le top 100 ça, c'est le top 10. Et en gros bah frère quand même je crois un C2 ou un C3. Vous avez vu le matchmaking? Un C2 affronte Kaydop en ranked.
Genre c'est pas prévu, c'est pas prévu que le gars il affronte K-Dop ou je sais pas quoi, il y avait rien de prévu, c'est rien. C'est le matchmaking qui est buggé. Comment le gars il affronte un putain de C2 affronte un grand champion plus plus, je vais appeler ça comme ça. On m'explique. C'est ça le problème. Le gars c'est un joueur pro de chez Vitality, alors que le gars c'est un joueur de chez lui et de sa maison. C'est ça le truc. Et pourquoi? Eh, j'ai rien dit Siri. Ta race là. Voilà Siri. Eh. Siri, je sais même pas pourquoi il s'est activé. J'ai rien dit. C'est comme le OK Google de Samsung en fait. C'est buggé le truc. C'est pas de boost. Compliqué. Voilà, je vais prendre du boost. J'aime bien parler comme ça. Ah, c'est qu'il a 500 de ping. Ouais. Je viens juste de capter qu'il a 500 de ping. Quand je l'ai vu retourner comme ça, je fais ok, 500 de ping. Enfin, j'ai vu son ping aussi. Pour ça, mais. Vous voyez, genre. Voilà quoi. Et du coup, bah, c'est ça le truc. Bien sûr, qui peut l'entendre ce problème, hein? Hein? Ah ouais, personne. Mais bon. Et te dire. Hein. Oh là là, la no luck. Le gars il a full ping et là il a pas de ping. Là c'est que je suis pas concentré, mais là si je me concentre, je sais pas si je pense que je pourrais le gagner. Et je vais vous expliquer en même temps ce que je fais comme move. Donc là, bien prendre les 32 boosts comme ça. Ah, j'aurais pu le jouer le. Dommage, il l'a pas eu. Ok. Bon, il s'est retourné. Non, je vais dessus. Ok, c'est. Soit il a voulu me lober. Soit je sais pas. Voilà, ça c'était nickel ce que j'ai fait. J'ai fait un demi-tour en gros et bah, je l'ai bien fait. Genre comme ça, bam bam, bam. Voilà, comme ça. Il a 180 de ping, 188, ok. C'est aussi les psinettes, à chaque fois j'ai remarqué, ils bug souvent et ça casse les couilles. Putain. 15. 15 secondes, putain. C'est un match FIFA les gars. On dirait trop la vie. Les matchs FIFA, fin du match, tu l'as eu comme ça, ce score-là. Avec tous les bugs là, bugs d'engagement, bugs à la dernière minute, machin. Voilà, c'est relou. Allez, allez, allez! Non! Non, le seum. Oh le seum, j'aurais pu tellement gagner. Eh, je suis pas GG frère, oh là. Lui, il mérite pas ton GG frère. Avoir que des bugs, là. Oh, moins 13, ça fait mal. Ah ouais, c'est ici. Ok, d'accord. Je regardais, j'étais à combien? Ok, ça va. Je vais faire un dernier. Non. Si, si, le dernier match. Je vais faire un dernier match. Comme ça, on va se conclure là-dessus après, hein, après ce match. Cette fois, je vais bien commenter ce que je fais. Et voilà. Donc là, bien évidemment, je vais dessus. Il fait. Ok. Il a une belle voiture, par contre. Là, j'ai essayé de la dégager pour la dégager loin. Il veut partir au backboard, au ceiling et tout. Oh le bâtard, il a bien joué. Il voulait faire un ceiling, j'ai essayé de le contrer, mais sauf. Il l'a vu, et du coup, bah. Ah ouais, non, même pas, je pense pas. Je sais pas. Je pense pas que le move il l'a vu. Ok. Ok. Oh putain. Le boost. Ok. Donc bah je vais contrôler. Je vais essayer de partir en avant. J'ai pas pu. C'est compliqué. Oh
Ok, je vais dessus. Oh nice, j'ai réussi à le contre parce que là j'ai fait une erreur. Là j'ai pas de boost, je peux rien y faire. Oh yes, j'ai réussi à le passer. Au moins comme ça j'ai récupéré le boost. Il va tenter une aérienne. Je vais aller le contre. Comme ça au moins bah j'ai cette possibilité de marquer. Voilà. Faut pas le laisser jouer, c'est exactement ça. Voilà. Si tu le laisses trop jouer. Eh bah il va te laisser, il va t'enculer, c'est ça le truc. Et en gros bah c'est ça le jeu quoi. C'est comme ça que ça joue le 1v1. Tu fais une erreur, bah. Et ça je vais vous le dire tout le temps. Hein. Une erreur, tu te fais enculer. Bon t'as moyen de récupérer mais c'est compliqué. Vraiment pas être chaud parce que n'importe qui peut récupérer son erreur. Ok, j'ai essayé le compte là, mais j'ai pas pu. Je peux faire quoi là? Fais genre que j'arrive. Je crois que c'était une bonne idée de ma part de faire genre que j'arrivais. Voilà. Oh là là, là je l'ai passé et je contrôle sur le côté. Ouais, bah non, je la garde sur le toit. Je voulais contrôler sur le côté, mais je sais pas, bah ça continue toujours sur le toit. Bah du coup, je me suis dit, bah non, tranquille. Hein. Tant que elle va dedans, bah c'est bon. En soi, ouais, c'est si ça. C'est comme ça. Je pense la vidéo, je vais vous la sortir mardi, à la limite. Je crois que je vais faire ça. Parce que là, en fait, là, c'est qu'il est presque 19h et j'ai toujours pas, toujours rien fait. Pas de montage, rien. Parce qu'en fait, c'est que j'ai filmé plusieurs vidéos. J'ai pris le boost, comme ça, au moins, il n'en a pas. Ça, c'était très intelligent de ma part. Oh, peut-être. Et en gros, bah voilà. Ok, donc là je vais le contre. Je vais essayer de repartir comme ça. Oh oui. Ah merde. J'aurais dû peut-être laisser le. J'aurais pas dû l'envoyer. Ok, voilà. En fait, moi mon problème c'est que je vais toujours tirer fort. Ouh, s'il te plaît. Oh lolo, nice. Oh lolo, nice. Oh là là. Oh, j'ai bien fait le move. Et du coup, bah ouais, hein. C'est la triste vie de Rocket League. Voilà, c'est. Avec leur. Bah, encore le. Là, le problème, c'est les bugs de connexion. Genre, des fois, je peux pas avoir de bugs de connexion. Enfin, avant, j'avais plein les bugs parce que je sais pas. Genre, les bugs de serveur, il y en a beaucoup en ce moment. Oh! Oh, le gars il a joué avec le feu hein. J'ai pas à dire mais t'as joué avec le feu. Oh, bien. Eh bah moi je suis l'huile. Mais tranquille. Voilà, ok, t'as voulu faire un move. Eh bah filu ton move. Walaï. Walaï de walaï et walaï. Arrête de dire walaï, tu walaï et walaï. Si. Ah, je peux pas. Oh! Allié? Non. Oh, ok. Dommage. C'est vraiment dommage. Quelle intensité. Intensité. Oui, c'est bien ça. Je vais aller chercher du boost. Ok. Donc, bah, je vais la prendre. Oh, bah, je peux le passer là. Ah, j'ai essayé de l'enculer. Ouais, là, voilà, c'est une erreur de ma part. J'ai essayé de passer parce que j'étais trop à côté et j'ai mis le. Non. Ouais, j'ai mis la balle vers son côté et du coup, bah, il a pu gagner le 50-50. Et en gros, c'est comme ça. Et ouais. Une erreur, tu te fais enculer. C'est comme la vie en fait. Tu fais une erreur. Tu peux récupérer. Mais une erreur, ça peut être fatal. Comme là. Rocket League, c'est la vie du coup. Et ouais. Oh. 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 La contrôle. Oh. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Ok, ta mère. Merci. Ah bah du coup, bah ça fait 4-3, 17 secondes. Je sais pas, je pense que je peux tenir. Hein.
J'ai encore du boost, peut-être pas lui. Ah si si, lui aussi. C'est pratiquement la même technique, du coup je pense que ouais. Hein. Là j'ai peut-être pas bien fait d'y aller, mais j'ai failli me faire enculer. Voilà. Bon bah on a gagné, c'est cool. Moi, c'est cool. Hein. Donc promotion bien évidemment. Donc voilà. Enfin j'ai réussi à finir au moins une vidéo. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je sais pas pourquoi j'aime trop faire ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter et à partager surtout. Ça me ferait extrêmement plaisir. Pardon. Et si t'as des conseils à me donner, n'hésite pas. Si tu veux jouer avec moi, n'hésite pas. Il y a mon Steam en description. Il y a tout. Tout ce que tu veux pour me contacter ou pour me donner des conseils. N'hésite pas. Si t'aimes pas cette vidéo, tu m'expliques pourquoi et tu mets un pouce. Bleu, tu mets un pouce bleu, non je rigole, non t'es libre de mettre des pouces rouges, t'es libre, je vais pas te dire comme quoi t'es un rageux ou quoi que ce soit, c'est juste que t'aimes pas la vidéo, et c'est ça, faut que les youtubeurs ils comprennent un peu ça, parce que les youtubeurs ils sont tous là à dire, ouais tu mets un pouce rouge c'est que t'es un rageux, mais quel rageux ta mère, voilà quel rageux, c'est juste que j'aime pas la vidéo, et que si j'aime pas la vidéo, je vais te mettre un pouce rouge, voilà, c'est ça le but, du coup voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Oh, mais je l'ai déjà dit. Je suis con. C'était Medaster Gaming. Peace.